Bonjour, mes chers élèves. Alors, on va commencer maintenant le présent du verbe être et avoir. Avant de faire la correction de ces activités, ils sont quatre, il vaut mieux de faire un petit rappel. Alors, prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité, page 45, cette fois. On va voir la correction de ces activités. On va commencer par, je retiens, les verbes être et avoir conjugués au présent. Par exemple, j'ai, tu as, elle a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. C'est le verbe avoir au présent. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes et sans être. Il vaut mieux de vous entraîner plusieurs fois jusqu'à la maîtrise complète. Lorsqu'on dit la maîtrise complète, ça veut dire qu'il faut bien conjuguer ces verbes avoir et être oralement et par écrit. Alors, en continuons, continuons. Souligne le verbe écrit son infinitif. Alors, on dit son infinitif. Alors, on dit j'ai un nouveau régime, nous sommes en bonne santé, il a des médicaments dans sa poche, vous êtes très sportif, ces fruits sont très bons pour la santé. Je rappelle encore une fois, suivez avec moi. J'ai un nouveau régime, nous sommes en bonne santé, et il a des médicaments dans sa poche. Vous êtes très sportif, ces fruits sont très bons pour la santé. Alors, j'ai, c'est le verbe avoir, et, c'est le verbe avoir. Alors, vous soulignez s'il vous plaît, et écrivez avoir, d'accord? La même chose ici, soulignez somme, comme ça, somme, soulignez somme, c'est le verbe être. Soulignez a, c'est le verbe avoir. Soulignez être, c'est le verbe être. Soulignez son, c'est le verbe être. J'ai un nouveau régime. C'est le verbe avoir. Nous sommes en bonne santé. C'est le verbe être. Il a des médicaments dans sa poche. C'est le verbe avoir. Vous êtes très sportif. C'est le verbe être. Ces fruits sont très bons pour la santé. C'est le verbe être. Sont. C'est le verbe être. Sont, c'est le verbe être. Être, c'est le verbe être. A, c'est le verbe avoir. Somme, c'est le verbe être. Et a, et, c'est le verbe avoir. J'ai, nous sommes, elle a, vous êtes. Ces fruits, ça veut dire ils sont. C'est la même chose. Alors, complétez avec le verbe avoir au présent. On dit tu as, AS. Tu as des fruits frais. Ils ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. Ils ont. ONT. Ils ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. Alors, nous sommes un nouvel hôpital dans notre ville. Nous avons. Pardon. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. On dit tu as des frais, des fruits frais. Tu as des fruits frais. Vous pouvez écrire ici. Vous pouvez écrire AS. Ils ont de la chance d'aller à la piscine toujours. Ils ont en NT. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. Nous avons, avant. Elle a appelé le médecin. Elle a appelé le médecin. Complète avec le verbe être présent. Alors, on dit je suis heureux de te voir en bonne santé. Suis, S-U-I-S. Nous sommes chez le dentiste. Elles sont à la salle de sport. Vous êtes un peu fatigué depuis une semaine. Mais attention, il faut bien écrire ces deux verbes au présent. Alors, complète avec être ou avoir au présent selon ton choix. Alors, il des cadeaux pour tout le monde. Ils ont des cadeaux pour tout le monde. Elles en retard, on dit elles sont en retard. Elles toujours en bonne santé, on dit elle est toujours en bonne santé. C'est pas elle est toujours en bonne santé, non. Elle est toujours en bonne santé. C'est le verbe. Elle a parfois un peu mal aux dents. Elle a. Ah. Alors, ils ont des cadeaux pour tout le monde. Ils ont en NT. Ils ont des cadeaux pour tout le monde. Elles sont en retard. Il est toujours en bonne santé. Il a parfois un peu mal aux dents. Réponds aux questions suivantes par une phrase. J'aime ce genre de questions. J'aime ce genre d'exercice. Où es-tu? Je suis chez mes amis. Avez-vous peur? Non, je n'ai pas peur. On dit oui, j'ai peur. Où sont tes parents? Mes parents sont là. Mes parents ne sont pas là. Mes parents sont centre-ville. As-tu faim? Oui, j'ai faim. Où est ta mère?
Alors, ma mère est chez ma tante. Ah, selon ton choix. N'oublie pas de vous entraîner très, très, très bien. Alors, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Il vaut mieux décrire correctement le verbe avoir présent. Je suis, tu es, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont. C'est comme l'exemple de la dictée. Voilà. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Mes chers élèves, et très bonnes vacances. On va voir quelques vidéos, bien sûr, de soutien pendant ces vacances. N'oublie pas que nous sommes avec vous jusqu'à la fin de l'année. Yeah.